Décidément, les mauvaises nouvelles s'accumulent autour de Lara Fabian. Le 9 décembre 2022, l'interprète du titre Tout a partagé sa peine suite à la mort d'un de ses proches à seulement 55 ans, des suites d'un arrêt cardiaque, dans un hôpital parisien, a relayé Le Parisien. Cher Franck, la dernière image que je garderai de toi est celle de notre dernière rencontre pour mon show à l'Olympia. Toi qui aimais tant la musique et les artistes. Le monde de la télévision perd l'un de ceux qui a permis de lui offrir tant de beaux divertissements. Mes pensées émues t'accompagnent et mon cœur se tourne vers les tiens, a écrit Lara Fabian, en légende d'un cliché de son ami, le producteur Franck Saura. Proche de Jean-Luc Delarue, Franck Saura avait fondé avec l'ancien animateur une société de production qui avait notamment créé Star à domicile, Sosie. Or notre Sosie? Ou plus récemment I Love You Coiffure et Il Saïm. Enfin presque. Il avait également collaboré à la production du Sidaxion ou encore de la Fête de la Musique. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce matin la disparition de hashtag Franck Saura. Nous avons écrit ensemble une page de l'histoire des variétés et créé les premières émissions de Carson Prod dans les années 2000. C'était un grand producteur, a commenté Daniela Lombroso. Je viens d'apprendre la très triste nouvelle pour @Franck Saura dont j'avais eu la chance de croiser la route. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses amis. Chapeau l'artiste, a indiqué Alex Good.